Tilly! Oh, un petit chien. Tilly, viens-tu nous voir? Allô Kelly! C'est Kelly! Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de paranormal. C'est une petite série que je vais commencer. On va parler des poupées, esti. Wow! What the fuck, man? Ok? Bon, mais en fin de compte, je vais faire la vidéo en dedans, guys. Il fait fucking trop frais dehors. C'était désagréable de faire une vidéo. Fait que j'ai rentré en dedans. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, blablabla. Yo, c'est parce que je me cherche une job pis tout, pis c'est l'hiver. L'hiver, j'ai pas d'idée de vidéo, je fais rien, mon hiver. L'hiver, moi, je reste enfermé dans ma chambre, pis c'est pas mal ça, là, je fais pas grand-chose. Aujourd'hui, on va parler de poupées maléfiques, whatever, comme que je vous ai déjà parlé à l'extérieur, mais que j'ai été obligé de rentrer en dedans, parce qu'on va parler de la poupée Harold qui a été vendue sur eBay. Pis, avant de commencer la vidéo, je voulais que vous montrer, j'ai reçu la tuque de James C que j'avais eu dans son concours. Fait que ça, c'est la tuque officielle que James C a portée dans toutes ses vidéos jusqu'au concours. Puis ici, j'ai la signature de Rosalie Le Sort. Puis l'autre côté, la signature de James C sur la carte de rendez-vous que je vous conseille d'aller voir, c'est sa marque de linge. Je vous mets le lien en description, vous avez besoin de cliquer dessus, puis vous allez arriver sur son site internet. Bing! C'est parti pour la vidéo, les poupées maléfiques. Je tiens à vous dire que toutes les photos qui vont apparaître dans l'écran un peu partout pendant la vidéo, c'est des photos officielles de la poupée qui a été vendue sur eBay. Okay. La première poupée de ce genre-là à avoir été vendue sur eBay s'appelait Harold le Hanté. On s'entend que le nom est assez fif à mon goût. Bon, ok, je vais vous lire exactement qu'est-ce qui était écrit sur sa publication sur eBay. Je vais regarder un peu par là parce que mon écran est par là. Fait que soyez pas genre. Pourquoi tu me regardes pas dans les yeux, hein? Yo, c'est parce que mon écran est par là, man. Je suis sûr que c'est arrivé à nous tous au moins une fois ou deux. Vous faites le tour d'un marché aux puces, vous regardez pour des antiquités, vous faites allez, tu fais le tour du marché aux puces plusieurs fois, tu cherches des antiquités. Puis, à un moment donné, tu regardes et tu vois une poupée amochée. Mais tu te dis d'avoir appartenu à un enfant ou whatever. Mais cette poupée-là, il a fait un feeling bizarre. Puis il l'a acheté parce qu'il est fucké en tabarnak. Ok, dans le fond, la poupée de Harold a été vendue 20$ dans un marché aux puces en Floride. C'est là la première fois que la poupée a été vendue à une personne. Mais par pur hasard, la personne qui a acheté la poupée en premier est décédé pas longtemps après. Ça se peut, c'était une vieille personne, elle est décédée. Mais, par la suite, quelqu'un a racheté la poupée dans le même marché aux puces. Genre que quelqu'un, la personne qui a vidé la maison du vieux qui est mort, a remis la poupée à vendre dans le même marché aux puces. What the fuck, qu'est-ce qui vient de bouger à mes pieds, calice? Avant de continuer la vidéo, il y a quelqu'un qui veut vous dire coucou. Voilà Océane, avec qui je devrais sortir une vidéo prochainement même. On a un concept de prévu ensemble prochainement. Océane a une chaîne YouTube aussi, je vais vous mettre sa chaîne YouTube en description, gang, sur cette vidéo-là, puis sur la vidéo que je vais faire avec elle. Fait que allez vous abonner, je pense qu'elle a dépassé les 100 abonnés, faut la faire hop hop hop, elle aussi, parce que elle met beaucoup de travail, puis elle a même fait un vlog à New York. Fait que je vous incite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. D'après moi, il va y avoir du contenu qui va s'en venir parce que je vais l'obliger à faire des vidéos. Fait que on continue notre histoire. Mais quand la personne a acheté la poupée la deuxième fois, la deuxième personne qui a acheté la poupée, le vendeur lui a averti de quelque chose qu'il n'avait pas averti le premier. Je vous lis exactement la citation que la personne a dit en lui vendant la poupée. D'après ce qui est écrit là, on sait pas si c'était vraiment ça, là, j'étais pas là, si. Je dois vous prévenir à propos de quelque chose. Je ne veux pas juste vous la laisser prendre comme ça. La raison pour laquelle je ne le sais dans mon établissement, c'est que cette poupée a amené une présence surnaturelle dans notre maison. Après que notre fils soit mort,
nous pouvions l'entendre pleurer et bouger dans sa chambre. Quand nous allions voir, il n'y avait rien. Juste la poupée. D'autres choses se sont produites. Et prête m'a dit que je devais brûler la poupée. J'ai essayé et essayé, mais elle ne semblait pas vouloir brûler. C'est pourquoi sa tête, ses bras et ses jambes sont si abîmés. Enfin, je voulais juste que vous le sachiez. Puis le cave, il a décidé de l'acheter pareil. Puis ça dit dans l'histoire qu'il n'avait pas encore conscience du changement que ça allait faire dans sa vie. Puis, juste pour commencer, juste pour mettre un petit peu de piquant, 2 jours après, sa blonde le laisse pour aller avec lui qui s'occupait de nettoyer sa piscine. C'est une pute. Non, j'ai rien dit, man. Attends, non. Puis dans le fond, une semaine après, il y a d'autres activités paranormales qui a commencé à popper dans sa maison comme ça. Pop. Dans le fond, il commençait à entendre des rires, des pleurs dans sa maison, mais juste aux alentours d'où est-ce qu'il y a cette fucking poupée-là. Fait que lui, il s'est dit, je vais aller acquisser dans mon sous-sol dans un cercueil. Demandez-moi pas pourquoi qu'il y a un cercueil dans son sous-sol, c'est ça qui est écrit, ok? Moi, je peux rien dire. Parce que c'est vraiment fucky first qu'il y a un cercueil dans son sous-sol, là, mais en tout cas, il enferme la poupée-là pendant 1 à 2 ans, puis après, il décide de la mettre en vente sur eBay. Après avoir mis la poupée en vente sur eBay, il y a eu plus de 100 000 visites sur sa page. Puis, par la suite, il a décidé de la mettre à vendre aux enchères pour pas mettre un prix fixe, puis que c'est lui qui mise le plus qui la gagne. Il y a une femme qui l'a gagné pour 700$. Rappelez-vous, il a payé 20$, puis elle a fait de la merde dans sa vie. Là, il y a une femme qui vient de l'acheter pour 700$, man. Mais la femme n'a jamais payé la somme de 700$, fait que c'est le deuxième acheteur qui l'a gagné pour la somme de 300$. Puis, aussitôt qu'il l'a reçu, la personne l'a remis à vendre immédiatement parce qu'il n'était pas capable de prendre en charge la poupée. C'est les seules explications que la personne a données sur le compte. Mais malheureusement, elle l'a pas vendue tout de suite, la poupée. Puis, après, il y a une de ses amies qui avait entendu les rumeurs sur cette poupée-là qui voulait la voir en vrai. Elle est venue la voir dans le domicile de la femme. Puis, un mois après, elle a pogné un cancer du cerveau qui a été mortel. Puis il précise que cette personne était en parfaite santé, ne fumait pas ou rien. Comme il n'y avait aucune raison qu'elle pogne le cancer là. Par la suite, un petit peu après, elle a fait un party chez elle. Puis il y a quelqu'un qui posait plein de questions sur cette poupée là. Puis moins d'un mois après, la personne tombe en bas d'un escalier, se casse le cou puis meurt sur l'instant. C'était instantané. Un peu plus tard, la femme qui a la poupée en possession était couchée, elle a entendu des bruits étranges au rez-de-chaussée, elle a été voir. Puis, aussitôt qu'elle est descendue, elle a vu la poupée assise sur une chaise qui semblait lui faire un sourire. La femme qui se sentait fucking mal à l'aise a pris la poupée, l'a cachée, l'a remis en vente. Puis, à ce jour, la poupée a jamais été vendue. Fait que si vous voulez acheter Harold, il y a encore temps. Je veux savoir si des séries sur les poupées maléfiques comme ça vous intéresse. Je n'ai 15, okay? Si ça vous intéresse, je vous ferai une série sur les poupées. Je vous en ferai une par semaine. Comme ça, je sortirai genre une vidéo là-dessus, puis une vidéo sur d'autres choses. Parce que normalement, mon horaire c'est mercredi, vendredi, sauf que là je suis là, puis je fais juste les mercredis, puis j'ai manqué un mercredi en plus. Si que je suis là, en tout cas c'est pas grave. Les vidéos sur les poupées, soit les vendredis ou les mercredis, puis l'autre jour, je sortirai un autre vidéo qui a pas rapport avec ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je ferais une série là-dessus? Dites-moi là en commentaire, laissez un like si ça vous intéresse. C'était Will, peace!